Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va présenter un exposé sur la contre-réaction réalisé par Aya Kadisi et Aya Smaha et encadré par Madame Assia Sadeghi. Notre objectif est de vous informer sur la contre-réaction, qu'est-ce que ça veut dire, son rôle, etc. Donc, dans notre exposé, comprend les axes suivants. Premièrement, on va voir le principe de la contre-réaction, les avantages et les inconvénients de la contre-réaction, les différentes configurations, on va voir des applications, des exemples de la contre-réaction. Alors, le principe et définition de la contre-réaction. Le principe de la réaction est utilisé dans de très nombreux circuits électroniques. Il consiste à réinjecter une partie du signal de sortie à l'entrée du circuit. Pour le combiner avec le signal d'entrée extérieur, la réaction change fondamentalement les propriétés du circuit auquel elle est appliquée. On distingue deux types de réactions, la réaction positive et la réaction négative. Dans la réaction positive, on réinjecte une partie du signal de sortie en phase avec le signal d'entrée extérieur. Ceci vont donc additionner leur effet pour produire un signal de sortie plus grand que celui qui existerait en boucle ouverte, c'est-à-dire sans réaction. C'est le principe qui est utilisé notamment dans les circuits oscillateurs ou dans les bascules. Dans la réaction négative, on réinjecte une partie du signal de sortie en opposition de phase avec le signal d'entrée extérieur. Ces deux signaux vont donc soustraire leur effet pour produire un signal de sortie inférieur à celui qui existerait en boucle ouverte. Un amplificateur auquel on implique une réaction négative jouit de propriétés extrêmement intéressantes parmi lesquelles on peut citer la stabilisation de la valeur du gain, c'est-à-dire sa désensibilisation aux variations des caractéristiques des composants dues notamment aux variations de température, aux tolérances de fabrication, etc. La réduction de la distorsion non linéaire, la sortie reste l'image fidèle de l'entrée malgré les non linéarités internes de l'amplificateur. La réduction de l'effet du bruit, signaux électriques, parasites dont la source est interne à l'amplificateur. L'extension de la bande passante de l'amplificateur par rapport à sa bande passante en boucle ouverte. Le contrôle de la valeur des impédances d'entrée et de sortie, c'est-à-dire la possibilité de les augmenter ou de les diminuer à volonté en fonction de la configuration des circuits choisis. La réaction négative permet donc de transformer un amplificateur imparfait ou un amplificateur dont les caractéristiques sont proches de celles d'un amplificateur idéal. Le prix à payer pour cette amélioration des performances et la réduction du gain. D'ailleurs, qu'il y a une proportionnalité directe entre la réduction du gain et l'amélioration des autres caractéristiques de l'amplificateur. Le facteur de réduction du gain est aussi le facteur par lequel on pourra multiplier la largeur de la bande passante ainsi que la valeur des impédances ou admittances d'entrée et de sortie, etc. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de la contre-réaction. La contre-réaction permet d'assurer un gain de valeur constante indépendante des constituants de la chaîne d'action. De ce fait, elle permet de réduire les distorsions pouvant intervenir et donc d'améliorer les performances du système. Pour avoir une idée de la façon dont se passe cette optimisation des performances, nous avons choisi deux exemples classiques, la distorsion d'amplitude et la distorsion harmonique. Donc, la distorsion d'amplitude. On considère la variation relative du gain en fonction de la fréquence, calcul de l'erreur relative au moyen de la dérivée logarithmique epsilon égale à d de ln de a égale à daa. On revient sur la relation de contre-réaction a' égale à a1 plus ab, dérivation logarithmique da a' égale à daa moins d facteur de 1 plus ab égale à daa moins b, da1 plus ab égale à daa 1 plus ab. Du fait de la contre-réaction, on a 1 plus ab est supérieur à 1. La formule montre que la contre-réaction contribue à diminuer la distorsion d'amplitude.
Maintenant, on va passer à la distorsion harmonique. La distorsion harmonique résulte de la présence de fréquences non désirables hors du spectre des fréquences du signal d'entrée, conséquence de non-linéarité due à certains composants du système si on désigne par VE, c'est la tension d'entrée du système, VS, c'est la tension de sortie du système, VD, c'est la tension imputable au défaut. En considérant la somme des deux tensions A fois facteur de V1 moins VS, tension utile, et VD, tension de défaut, on obtient, à partir d'un raisonnement analogue au précédent, VS égale à A, VE1 plus AB plus VD1 plus AB. On voit que la rétroaction contribue à la diminution de la tension parasite en sortie. Bonjour à tous. Maintenant, on va voir les différentes configurations. En général, dans la configuration générale de la boucle de réaction négative, l'amplificateur et les circuits de réaction ont un point de connexion du côté de la source et du côté de la charge extérieure. Premièrement, du côté de la sortie de l'amplificateur ou encore de la charge, la connexion a pour but d'échantillonner le signal de sortie de l'amplificateur pour le ramener à l'entrée du circuit de réaction. Deuxièmement, du côté de l'entrée de l'amplificateur, ou encore de la source. La connexion a pour but de combiner le signal Xθ issu du circuit de réaction, c'est-à-dire d'effectuer la différence entre les deux signaux. Ici, on a une configuration fondamentale d'un circuit à réaction négative. On a ici l'amplificateur. À l'entrée de l'amplificateur, on trouve la différence entre grandeur de consigne et grandeur de mesure. Et à la sortie, on trouve l'échantillonnage de la grandeur. Maintenant, on va faire l'échantillonnage de signal de sortie. L'échantillonnage de signal de sortie comporte deux possibilités suivantes. Que l'on souhaite échantillonner la tension de sortie I0 et le courant de sortie I0. Pour pouvoir faire la distinction entre ces deux cas, il est nécessaire de remplacer le schéma de principe type inifileur utilisé jusqu'à ici par un schéma plus complet à l'amplificateur et les circuits de réaction sont représentés sous forme de quadripole. Puis on a l'échantillonnage de la tension de sortie. L'échantillonnage de la tension de sortie s'effectue en connectant le quadripole de réaction en parallèle sur la sortie de l'amplificateur. Ces deux quadripoles auront donc la même tension U0 à leur axe. Alors, axé côté de charge de la sortie. Par contre, l'échantillonnage du courant de sortie s'effectue en connectant le quadripole de réaction en série avec le quadripole de l'amplificateur du côté de la charge de sortie. Ces axés des quadripoles seront donc parcourus par le même courant I0. Ici, on a la combinaison des tensions. La combinaison des tensions s'effectue en connectant les deux quadripoles en série du côté source avec la relation US égale à UI plus Ubeta. Et la combinaison des courants à l'entrée s'effectue en connectant les deux quadripoles en parallèle du côté source avec la relation IR égale à UI plus Ubeta. Maintenant, on va voir le choix de la configuration en fonction du type d'amplificateur. Le choix de la configuration d'entrée et de la configuration de sortie de la boucle dépend des caractéristiques de l'amplificateur considéré. On peut distinguer trois types d'amplificateurs idéaux. Premièrement, on a l'amplificateur idéal de tension. L'amplificateur idéal de tension effectue le transfert entre une tension d'entrée UI et une tension de sortie U0, dont le rapport définit le gain d'amplificateur. Alors, on a la relation 1 égale à AV égale à la tension de la sortie divisée par la tension d'entrée. Quand on a l'impédance d'entrée est infinie afin de ne pas perturber la tension délivrée de la source, impédance de sortie de la source non nulle à laquelle l'amplificateur est connecté. Et quand on a l'impédance de sortie est nulle, ce qui permet de garder une tension de sortie indépendante de la valeur du courant débite. Deuxièmement, on a l'amplificateur idéal de courant.
L'amplificateur idéal de courant effectue le transfert entre un courant d'entrée IE et un courant de sortie I0 dans le rapport défini le gain de l'amplificateur. Ici, on a la relation A égale à AE égale à le courant de sortie divisé par le courant d'entrée. Et quand on a l'impédance d'entrée est nulle, afin de laisser la totalité du courant délivré par la source à laquelle l'amplificateur est connecté. Par contre, quand on a l'impédance de sortie est infinie, ce qui correspond à la définition d'une source de courant idéale capable de débiter un courant indépendant de la tension apparaissant à ses bornes, c'est-à-dire indépendant de la valeur de l'impédance de la charge. Et finalement, on a l'amplificateur idéal à transconductance. L'amplificateur à transconductance idéal effectue le transfert entre une tension d'entrée UI et un courant de sortie I0 dans le rapport défini le gain. Ou encore,
Et maintenant, on va voir des exemples sur la réaction négative. Considérons le circuit suivant. On a ici un amplificateur de tension. La première opération consiste à redessiner le circuit d'une manière permettant d'identifier clairement les quadripôles A et bêta, ainsi que le type de contre-réaction. Comme on cherche à analyser le circuit du point de vue des petits signaux, on remplace les capacités C2 et C5 par des courts-circuits pour faciliter un peu l'identification des quadripôles et des connexions. On commence par repérer les entrées et les sorties du quadripôle A. Sur le schéma ci-dessus, il s'agit respectivement des nœuds notés A, B et C. Du point de vue des petits signaux, les alimentations correspondant à la masse, donc au nœud T, dans le cas 1. Une augmentation de UI entraîne de variations négatives de la tension d'entrée du circuit pour accroissement. La tension delta UI a donc bien le son défini à la figure 1,21, défini à cette figure. On faisait abstraction du circuit de réaction, plus précisément de R2 et ST2, défini à la figure 1,20, c'est la figure précédente. On voit que pour une variation positive de la tension d'entrée, on a une variation positive de la tension de sortie. Le gain de l'amplificateur de tension est donc positif. En conséquence, la tension de sortie sur le schéma pour accroissement de la figure 1,21 sera définie positive de D à C. Ici, on a un type de configuration. Une ouverture du circuit d'entrée, par exemple au point P, entraîne une annulation du signal de sortie. On peut donc dire que la connexion d'entrée est de type série. Un court-circuit appliqué à la sortie, du point de vue des petits signaux, provoque l'annulation de la réaction négative. La connexion de sortie est donc de type parallèle. Pour conclure, le type de configuration est le suivant. Alors, quand la connexion d'entrée est de type série et la connexion de sortie est de type parallèle, A égale à le rapport de tension et bêta égale à aussi le rapport de tension. Ici, on a un schéma par accroissement du quadripôle A' modifié vu de l'entrée. Alors, l'opération suivante consiste à ramener le problème au cas idéal et en important dans un nouveau quadripôle A' tous les éléments externes à A qui modifient son comportement. Il s'agit donc de déterminer l'impédance d'entrée, de sortie et la fonction de transfert A' du quadripôle modifié. Au court-circuitant, la sortie, le circuit de réaction vu de l'entrée se résumait à la mise en parallèle des résistances R1 et R. Maintenant, on va voir A' modifié vu de la sortie. Alors, l'ouverture du circuit d'entrée entraîne la mise en série des résistances R1 et R2 du circuit de réaction vu de la sortie. En réalité, R1 se trouve en parallèle avec 1 sur GCE1 plus R3 en parallèle avec 1 sur GPE2. Négligé si R1 est négligeable devant 1 sur GCE1. Si ce n'est pas le cas, le circuit ne répond plus à aux hypothèses simplificatrices selon lesquelles on a admis que pour une entrée avec connexion serrée. L'ouverture de l'entrée supprimait la source de courant ou de tension à la sortie. Ici, on a un schéma par accroissement du quadripôle après modifié. R équivalent n'influence pas l'impédance de sortie R0. Calcul de la résistance d'entrée. La résistance d'entrée RI' du quadripôle modifié est définie avec un court-circuit sur la sortie. RI' égale à delta UI divisé par delta II. Avec delta UI égale à moins delta UI EB1 plus delta UR. D'où delta UR égale à moins R1 en parallèle avec R2 fois GBE1 plus GM1 fois delta U EB1. Et delta EI égale à moins GB1 fois delta U EB1. Et sur la base de certaines données précédentes, delta UI égale à moins 1 plus R1 en parallèle avec R2 fois GPE1 plus GM1. Le tout fois delta U EB1. Et pour finir, RI' égale à 1 sur GBE1 plus R1 en parallèle avec R2 fois 1 plus GM1 divisé par GBE1 égale à bêta 1 sur GM1 plus R1 en parallèle avec R2 fois 1 plus bêta. Calcul de la sortie. La résistance de sortie R0 du quadripôle modifié est définie avec le circuit d'entrée ouvert. R0' égale à delta U0 sur delta I0. Avec R'0 égale à R0 en parallèle avec R1 plus R2 en parallèle avec 1 sur GCE2.
Merci pour votre attention.